Hello à tous, je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo soins capillaires avec une recette de shampoing aux poudres. Je vous laisse avec la suite de la vidéo. On se retrouve pour l'application, donc j'ai tout ce qu'il faut, j'ai ma pâte et j'ai préparé également tout ce dont j'avais besoin, donc brosse, peigne, un petit peu d'eau pour humidifier mes cheveux et ma magnifique Charlotte. J'ai un miroir en face, donc je vais regarder ce que je fais. Je vous retrouve le lendemain pour vous montrer du coup les cheveux et vous donner les premières impressions qui sont plutôt bonnes puisque alors, je ne sais pas si vous allez le voir comme il faut, je pense pas, mais ils sont très légers, très souples, ils sont doux et ils sont pas mal brillants. Et je ne sais pas si ça... Si ça, vous allez le voir comme il faut, peut-être là, on verra mieux si je fais ça. Voilà, on voit un petit peu la luminosité qui se reflète bien, bien dedans. Donc ils sont vraiment, voilà, je suis plutôt satisfaite pour, je vais mettre le doigt dans l'œil, je suis plutôt satisfaite
pour ce premier essai de shampoing aux poudres. Et du coup, bah, je vous ferai des petits updates dans quelques jours pour vous dire un petit peu, quelques jours ou une semaine, puisque je fais un shampoing par semaine, donc voilà, pour voir au niveau justement si mes cheveux regressent aussi quand même vite, ou si ils ont moins regressé, s'ils ont regressé pareil, si voilà. Je vais vous faire un petit retour et dans quelques mois, du coup, puisque je vais faire ce type de shampoing là uniquement, je vais essayer de pas du tout utiliser de shampoing entre guillemets traditionnel à composition clean, mais je vais dire des shampoings liquides. Je vais essayer de pas en utiliser du tout, d'utiliser que des shampoings comme ça en poudre, et comme ça je vous ferai un retour, et toujours les mêmes poudres pour commencer, comme ça je vous ferai un retour du coup dans plusieurs mois pour voir comment ça se passe, si j'ai remarqué le gros changement pardon au niveau de mes cheveux ou pas. Donc voilà, on se retrouve quand même déjà dans quelques jours ou une semaine. Je vous dis du coup à la prochaine. Je vous retrouve donc pile poil une semaine après le premier shampoing, puisque nous sommes aujourd'hui donc mercredi, et je vous donne les premières impressions au bout d'une semaine. Alors, comme vous le voyez peut-être, donc ici voilà, c'est toujours brillant, très souple, très doux. Donc ça, je suis contente parce que j'avais plutôt les longueurs qui étaient sèches. Voilà, ça les a vraiment, ça leur a fait du bien. Et sur le dessus, alors je sais pas si vous allez voir, on voit que c'est un petit peu plus dense puisque mes cheveux donc ont quand même regressé à la base vraiment ici, mais moins, voilà, moins que sans ce type de shampoing là. Donc c'est déjà un bon point et ça fait qu'une seule fois que j'utilise ce type de shampoing là. Donc c'est pour ça que je vous disais la dernière fois que je vais essayer de n'utiliser que les shampoings en poudre et que ces poudres là dans un premier temps, au moins pendant un mois ou deux. Je pense que voilà, qu'il faut quand même laisser le temps aussi aux bienfaits de faire leurs effets. Donc voilà, je vous redonnerai des nouvelles, mais dans l'ensemble, donc pour je reviens sur tout ce qui est préparation, c'est extrêmement facile. Application, bah je le ferai un petit peu plus, mettrai un tout petit peu plus d'eau la prochaine fois. Oh, sinon, ça s'applique très facilement. Ça s'applique comme du henné, donc voilà, assez facilement. Le temps de pose n'est pas très long, donc ça. Bah voilà, contrairement justement quand on se fait une coloration au henné où il faut plusieurs heures, là ce n'est que 20 à 30 minutes de pause, donc c'est pas trop contraignant non plus. Vous risquez pas d'avoir le facteur, enfin devoir aller ouvrir la porte au facteur avec votre belle Charlotte en papier ou en tissu sur la tête. Donc ça c'est plutôt bien. Et le rinçage très facile aussi. Les résultats pour mes premières impressions, ben voilà, ça rend les cheveux brillants, souples, assez doux quand même. Et au niveau de regresser, bah voilà, mes cheveux ont regressé. Maintenant, je pense que c'est quand même un petit peu normal au bout d'un moment. Mais on est vraiment à une semaine pile. Et c'est que depuis, on va dire, allez, hier, qu'ils ont commencé vraiment à regresser. Donc pour moi, c'est déjà quand même une petite amélioration. Donc je prends. Donc aujourd'hui, bah, je vais refaire du coup le shampoing, ou exceptionnellement peut-être faire un shampoing normal juste là pour redémarrer le week-end, parce que j'aurais quand même plus facile de faire ce type de shampoing là le week-end. Donc aujourd'hui, je pense que je vais utiliser le shampoing de ma fille, juste en toute petite dose pour dire qu'il se dégraisse. Comme ça, je pourrais reprendre les shampoings aux poudres le week-end, le samedi ou le dimanche par exemple. Et comme ça, voilà, chaque semaine de chaque mois qui va passer, je vais pouvoir le faire
vraiment le week-end. Ce sera quand même plus facile qu'en pleine semaine. Donc voilà. Mais dans l'ensemble, donc vraiment de beaux résultats. Et je vous donne du coup rendez-vous dans quelques mois pour une prochaine vidéo sur ce sujet-là. Voilà, sur vraiment mon retour où j'aurai plus de recul. Donc là, je pourrais vraiment vous donner un avis plus objectif que celui-ci, puisque les premières impressions, pour moi, c'est toujours différent. Faut voir dans le temps, au fur et à mesure des utilisations. Donc voilà, je vous donne rendez-vous du coup dans quelques mois pour une nouvelle vidéo de ce type. Cette petite vidéo-ci est terminée, j'espère qu'elle vous aura plu. Si vous avez, comme d'habitude, des avis, des suggestions, des questions ou des critiques constructives, n'hésitez pas à me les mettre en bas en commentaire, je les lirai avec plaisir comme d'habitude. Et je vous fais plein de bisous green et on se retrouve, nous, dimanche pour une vidéo sur les plantes. Ciao, ciao !